Coucou tout le monde et bienvenue dans votre édition. On continue l'édition spéciale ETV en commune avec Artigwa. On continue au Vélodrome donc de Gourde-Liane à Baie-Mahault pour découvrir et voir un peu les secrets de nos artisans guadeloupéens. Alors là, je vois un stand mais magnifique. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous ai vu bondir jusqu'à moi, j'adore, j'aime ça. Je suis Raïssa, comment vous appelez-vous? Michel. Alors Michel, c'est vous qui faites ça là? Tout ce qui est là, je suis un artisan d'art, je crée. Dès que je vois un produit de naturel, j'essaie au maximum de le transformer en objet d'art. Mais c'est magnifique, c'est super. Absolument. Alors le bloc-notes, comme ça, là par exemple, combien de temps pour faire quelque chose comme ça? Alors je compte pas, j'ai pas la même idée de calcul que vous. D'accord. Parce que moi j'en produis en grande quantité. D'accord. Et si vous voulez par exemple le bloc-notes comme vous l'appelez, mais j'appelle ça moi un pense-bête. Un pense-bête, oui. Alors celui-là par exemple, je ferai une cinquantaine. Je n'ai pas calculé combien je fais pour un, mais je dirais je vais faire une cinquantaine. Et quand c'est fini, c'est fini. Mais mon avantage en tant qu'artisan, notre but, c'est d'aller le plus vite possible. Oui. C'est normal parce qu'il faut quand même exposer les produits qu'on fabrique. Voilà. Et vous, en fait, vous travaillez vite, donc c'est ce que vous êtes en train de me dire. Et vous fonctionnez sur commande aussi, je suppose. Aussi, ouais. Aussi. Parce que, à vrai dire, mes produits, ce sont des produits uniques parce que le même produit qu'il y a là, je ne suis pas obligé de le faire de la même manière. Là, c'est une horloge en bois de mahogany, oh là là, avec la tête créole. Je représente tout ce qu'on a ici. Par exemple, vous avez le balisier, vous avez la rome, vous avez... je représente au maximum tout ce que le produit a de bon. Et comme nous avons une panel de produits, alors le choix est assez vaste quand même. Mais c'est super. Et comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour vous trouver? Alors, je suis sur Facebook. D'accord. J'ai mon numéro de téléphone. D'accord, mais il ne me donne pas les éléments. Il me dit où le trouver, mais je ne sais pas. Je n'ai pas le Facebook, je n'ai pas le numéro de téléphone. Il faut tout me donner. J'ai mon Facebook, mais dès qu'on tape Bretter Art, comme là, okay, eh bien, on me trouve tout de suite. Ou alors le portable 38 24 12. Michel sera présent pour recevoir et pour écouter. Mais c'est super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Michel. Merci, le plaisir est partagé. Mais vraiment, à très bientôt, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Peut-être sur la plage, qui sait. Ah ben j'en vois une en fait qui s'apprête, qui se prépare, qui fait bonjour, bonjour, bonjour. je vous prends pendant que vous êtes en train de vous refaire une beauté. Je me rhabille. Ben oui, je profite de mes nouveaux achats. Ah mais oui, je vois ça. Alors je vous voyais regarder également ceci. Ben oui, j'adore. Ça représente la Guadeloupe, les îles, les Caraïbes. Bah, alors, je suis pas bien élevée, j'ai pas commencé par la base. Bonjour, je suis Raïssa, comment vous appelez-vous? Mais je m'appelle Clémence, bonjour Raïssa. Et donc en fait, là, vous venez à ce marché, c'est la première fois que vous venez? Ben oui, c'est une amie là qui m'a conseillé, et du coup, parce que je suis à la recherche de wax, oui. J'adore ce tissu là, bah d'ailleurs, voilà. Et elle m'a dit, mais il y a sûrement des stands, donc viens faire un tour, tu vas pouvoir faire tes achats, et effectivement, je suis ravie, j'en ai acheté à tous les stands, et je suis la plus heureuse, j'avoue. Oui, mais ça se voit sur votre visage que vous êtes très très heureuse de vos achats. Et vous avez acheté que du wax, des petits bijoux, il y a de l'huile de coco aussi, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et de toute façon, à chaque fois, je me fais happer par les vendeurs et puis je suis ravie. Alors j'achète parce que c'est local et parce que c'est ce que j'aime. Donc, Et vous êtes de Baie-Mahault? Non, je suis de Saint-Martin. D'accord, ok. J'ai fait un petit passage en Guadeloupe et je suis ravie de revenir et de trouver des marchés qu'on n'a pas assez, je trouve, à Saint-Martin, ou peut-être pas assez local à mon goût. Voilà. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Clémence. Tout à fait, c'est moi. Et je vous laisse vous rhabiller. C'est gentil, merci Raïssa. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, je vous vois, vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magnifique, dis donc. Je suis Raïssa, comment vous appelez-vous? Lucie. Alors Lucie, je vous vois vous balader, c'est la première fois que vous venez au marché avec Artigwa. Alors je suis en fait artisante et je suis exposante. D'accord, d'accord. On arrive juste devant mon stand. Ah d'accord, excusez, oh là là, mais on va voir ce qu'elle nous propose. Ah ben super, alors dites-moi. Alors c'est vous qui faites ça? Voilà, donc c'est le stand Barbie Créole Création. Donc je travaille le rotin, le cristal et d'autres matières et des matières de récupération. Donc là on a des porte-silos faits en rotin avec un support contreplaqué. Donc qui sont de couleurs différentes, donc pour plaire à tout le monde. Donc des petits stylos, des petits porte-stylos multifonctions. On peut mettre les stylos et les trombones et autres. Ensuite, on fait également, je fais également des poupées. Donc les poupées sont habillées en rotin. D'accord. Et elles sont pour toutes les occasions. Donc on peut tout personnaliser. Donc les personnes peuvent passer commande et personnaliser en fonction de leur thème par rapport à la cérémonie. Et ben, par exemple, une poupée comme ça, combien de temps il faut? Ben, ça prend bien plus d'une heure, donc ça dépend de la complexité du tressage et de la déco qui va avec. Donc il y a également des décos pour les tables, okay, pour les réceptions. Et là, je travaille sur une collection de t-shirts sur les rythmes de cas et les émotions. Oui. Donc chaque rythme de cas est lié à une émotion, donc qu'on soit content, pas content, fatigué ou autre. Donc chaque rythme de cas est lié à une émotion. Bah, écoute, c'est super en tout cas. Bah, moi je t'ai empêché, je pensais que tu te baladais, j'arrive comme ça. Mais sinon tu passes quand même un bon moment avec Artigwa sur... Oui, effectivement, on passe un bon moment, c'est agréable. Et on est beaucoup dans la convivialité, dans l'échange. Donc même au niveau des autres exposants, on échange beaucoup, on parle beaucoup et on discute, on partage nos expériences. Et comment on fait pour te contacter du coup? Alors je suis sur Facebook, donc Barbie Créole Création. Et sur Instagram, sinon on peut me joindre au 06 90 95 13 59. Ben on remercie, c'est une Barbie elle-même, hein, une petite Barbie trop mignonne. Je te remercie énormément et je te laisse continuer et à très bientôt. Merci. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Gourde-Liane, à Baie-Mahault, invités par l'association Artigwa. Merci à tous les artisans de Guadeloupe qui étaient présents sur ce marché. Si vous aussi, vous avez une association où vous organisez des marchés, vous êtes quelqu'un de spécial, vous faites quelque chose de spécial de vos mains, n'hésitez pas à nous contacter, contactez ETV ou encore tout simplement... Vous regardez ce qui est noté sous le bas de votre écran, vous avez toutes les informations. Je vous remercie et n'oubliez pas que ETV en commune, l'équipe de TV en commune, Hervé et moi, on vient chez vous pour vous permettre d'exploser. À très bientôt et je vous dis merci, bye bye.